Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Les nouvelles de l'Arménie occidentale. La fondation Aznavour fournira environ 105 tonnes d'aide aux victimes de la guerre d'Artsakh. L'Azerbaïdjan a recouru à la violence et torturé des prisonniers de guerre arméniens, Human Rights Watch. Les visites d'Aliyev témoignent de la politique anti-arménienne et militariste de Bakou. Les photos de l'église arménienne Saint-Ovanès en Iran, lauréate du concours Vicky Loves Monument. L'Arménie a présenté son potentiel touristique lors de la plus grande exposition touristique de Russie. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Vartouhi Vartelesyan. En raison des conditions météorologiques défavorables dans la province d'Arul en Arménie occidentale, l'autoroute Arul-Kars s'est fermée aux véhicules. Les équipes de déneigement de route poursuivent leur travail sans interruption. Un groupe d'ours descendant sur la route de la province Chaldiran de Van a provoqué une atmosphère de peur. Le groupe d'ours est apparu dans la soirée près du district d'Achar Multu dans la province de Chaldiran pour trouver de la nourriture. Un passant a réussi à fixer 4 ours qui ont quitté la zone après un certain temps. Du 19 au 21 mars, le festival de la flore de l'abricot sera organisé par l'association du tourisme gastronomique et de la publicité de Malatya qui a été créée pour promouvoir le tourisme et la culture culinaire de la ville. La fondation Aznavour a reçu environ 105 tonnes d'aide humanitaire pour la population touchée par la seconde guerre d'Artsakh. Cela a été rapporté par le service de presse de la fondation. Ce nouveau lot d'aide a également été envoyé en Arménie avec le soutien du centre de soutien en cas de crise du ministère des Affaires étrangères de la République française. Ce kit d'aide comprend des fournitures médicales telles que des lits médicaux fonctionnels, des vêtements et des articles d'hygiène. Cette mobilisation a été rendue possible grâce à l'unité, la solidarité et le travail acharné de plus de 50 organisations et 100 donateurs, indique le communiqué. Au total, plus de 175 tonnes d'aide humanitaire a été collectée dans 19 points d'accueil en France et en Suisse via la Fondation Aznavour et ses organisations partenaires dans le cadre de son programme humanitaire. Les forces armées azerbaïdjanaises ont abusé des prisonniers de guerre arméniens capturés pendant la guerre d'Artsakh en 2020, les torturant à la fois pendant leur captivité et pendant leur transfert ou leur détention. Tel que rapporté par Armen Press, cela est indiqué dans la déclaration de l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. Hugues Williamson, directeur de Human Rights Watch en Europe et en Asie centrale, a déclaré « Le traitement cruel des soldats arméniens, y compris la torture, est dégoûtant et considéré comme un crime de guerre. » Il a souligné que ces crimes de guerre doivent être traduits en justice immédiatement. L'organisation s'est également entretenue avec 4 anciens prisonniers de guerre qui ont décrit en détail les mauvais traitements infligés à eux-mêmes et à d'autres captifs. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, accompagné de son épouse Meliban Aliyeva et d'autres hauts fonctionnaires, s'est rendu dans la région de Hadrut, occupée par la République d'Azerbaïdjan, montrant un manque de respect envers les efforts en cours pour le règlement durable du conflit Azerbaïdjan-Artsakh. Ceci est indiqué dans la déclaration du ministère des Affaires étrangères d'Artsakh. Au cours de sa visite dans ces territoires occupés, le président Aliyev a personnellement chargé les fonctionnaires qui l'accompagnaient d'effacer les inscriptions médiévales arméniennes des murs des églises et des monuments des territoires occupés. Ces visites officielles sont l'incarnation de la politique anti-arménienne de l'Azerbaïdjan ainsi que d'autres plans agressifs. La République d'Artsakh a informé à plusieurs reprises la communauté internationale du terrorisme au niveau de l'État perpétré par l'Azerbaïdjan, de la destruction du patrimoine culturel arménien dans les territoires sous son occupation militaire et de la promotion flagrante d'une politique génocidaire. Cette politique génocidaire est un crime contre l'humanité, une violation flagrante des normes, traités, résolutions et accords internationaux, une menace pour le monde civilisé tout entier. Nous appelons toutes les organisations internationales compétentes à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la destruction du patrimoine culturel arménien et à condamner la politique génocidaire de l'Azerbaïdjan. L'inaction et l'indifférence peuvent avoir des conséquences imprévisibles. La photo de Farzan Izadous Dar de l'église arménienne de Saint-Jean en Iran a été reconnue comme le gagnant du concours photo Vicky Loves Monument. « C'est une image magnifique », a déclaré l'un des membres du jury à propos de la photo de l'église iranienne Saint-Jean qui a remporté la première place du concours de cette année selon Wikimedia. Farzan Izadous Dar a capturé ce moment un jour après la tempête de neige et l'a envoyé à Vicky Loves Monument. L'église Saint-Jean est une église catholique arménienne du 5e au 6e siècle située dans la ville de Sorol dans la région de Shabestar en Iran. Il a été reconstruit en 1840 par Samson Makintsev sur le terrain de l'ancienne église. Après une longue pause, l'Arménie a de nouveau présenté son potentiel touristique à l'exposition touristique MITT Moscou qui s'est tenue à Moscou du 16 au 18 mars. Armen Press en a été informé par le département de l'information et des relations publiques du ministère de l'économie de la République d'Arménie. Avec le soutien du comité du tourisme du ministère de l'économie de la République d'Arménie, 20 entreprises touristiques d'Arménie ont participé à l'exposition.
La plus grande exposition touristique de Russie et de la communauté d'États indépendants a réuni 1500 organisations de 229 pays, dont l'Arménie, avec un seul pavillon. Auparavant, du 9 au 12 mars, le comité du tourisme, avec 21 entreprises touristiques, a participé à l'une des plus grandes expositions internationales ITM Berlin en ligne. Vartuhi Bartelesian est née le 19 mars 1928 à Bucarest, la capitale de la Roumanie. Elle est l'épouse de l'auteur-dramaturge Gevorg Kabadjian. En 1946, Vartuhi Bartelesian a déménagé en Arménie. La première étape était dans le théâtre autodidacte Nubarachen. En 1947, elle entre dans le studio rattaché au théâtre dramatique Leninakan et à partir de la même année joue sur la scène du théâtre. En 1958, Vartuhi s'installe au théâtre Sundukan de Yerevan. Elle a joué de nombreux rôles au théâtre, dont Patvi Hamar de Shirvanzadeh, dans le rôle de Margaret, Balenu Aigi de Tchekhov, Tsirke Nojaitse de Durenmat, Imsirtel Lernerume de Saroyan, Hinast Vatsner de Chant et autres. Elle a également joué les rôles des Arméniens occidentaux, Bardasar, Arpar, Anouch et autres. Le fond d'or de la Radio Nationale d'Arménie a plus de 100 enregistrements. Elle apparaît dans des émissions de télévision depuis 1958. En passant, elle a été l'une des premières actrices de télévision. En 1985, Vartuhi Bartelesian est invitée au théâtre Adamian à Alep, en Syrie, où elle reçoit une médaille d'or, également de nombreux diplômes honorifiques d'État, récompensés, lettres de remerciement. En 1965, elle a reçu le titre d'acteur du peuple de la République socialiste soviétique arménienne. En 1988, le titre d'acteur du peuple de l'URSS. En 1988, le titre d'acteur du peuple de l'URSS. En 1995, elle reçoit l'ordre Movses Rolenatsi de la République d'Arménie. En 2001, le titre de citoyen d'honneur de Yerevan. En 2013, la médaille de Saint Meslop Mashtots. Elle est décédée le 24 novembre 2015 et est enterrée sur le territoire du Panthéon Komitas. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Zartank dans la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.